Donne-moi ça, Marc. J'espère que vous êtes prêts à prendre la pause, Spy Z. Il va bientôt falloir dire « Oui, Stiti !» Et ensuite, il sera temps de dire « Au revoir !» Courage! Plus que quelques mètres et on l'aura rattrapé! Oh, tant mieux! Parce que je sais pas combien de temps mes cheveux vont résister à la sécheresse du désert! Regardez, il est là! Attention! D'après ce que Jerry a dit, il est extrêmement pointilleux! C'est pas vraiment étonnant pour un homme cactus! Déjà, on va finir déshydratés comme des figues séchées et en plus, on se fait attaquer par un pauvre cactus. T'inquiète pas, je sais qu'il y a un truc que les cactus détestent. L'eau. Et heureusement, on a notre pistolet à eau surpuissant sur nous. Hé, c'est pas juste. Ouais. C'est toujours juste d'arrêter un méchant et peu importe comment. C'est vous. Après une mission réussie, votre grand frère Lee a une fin diétique. Mange tout ce que tu veux, Lee, tant que c'est moi qui récupère le jouet de la boîte de céréales. Alors là, tu rêves. C'est une bague à décodeur supersonique. Elle est pour moi, compris? Les garçons, cette bague à décodeur supersonique devrait être le dernier de vos soucis pour l'instant. C'est pas vrai. Mais c'est une photo de nous. Trois mystérieux espions terrassent un cactus. Mais qui sont-ils? C'est de la folie. On dirait que quelqu'un essaie de faire tomber notre couverture. Alors il faut l'en empêcher. Avec l'aide de Jerry, bien sûr. Dites les champions, l'un de vous a vu mon journal? Non, désolé. Mais attends, je crois que le mieux, ce serait que t'ailles vérifier devant la porte. Tu as raison. Tu sais que la page des sports est la seule chose qui réveille ton père le matin. On a eu chaud, là. Bon, Jerry, c'est à vous. Le plus brutal qu'on ait jamais vécu. Ah bonjour Spyzada, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez nous aider à découvrir qui a fait ça? Ah, misère. Je dirais même plus, oh grand misère. On fait quoi maintenant? Jusqu'à ce que je découvre qui veut dévoiler votre identité, vous devez faire preuve de prudence. J'ai ici quelques gadgets qui vous y aideront. Spyzada, je vous fournis des capsules d'invisibilité pour disparaître temporairement. Génial! Je pourrais m'en servir la prochaine fois que le principal shield me chargera! Nous avons aussi le sombrero rapido transformiste qui peut s'accrocher à la ceinture. Cool! Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, mais bon. Et enfin, le déflecteur d'énergie tout azimut. Les flashs du paparazzi se retourneront contre lui. Merci, Jerry! Grâce à vous, on va protéger notre couverture! C'est tout naturel. C'est pas très classe comme atterrissage. J'espère que cette journée se passera mieux en collégien qu'en espion. Hello les Clark, vous arrivez juste à temps pour la dernière édition du journal de Southdale. Avec une toute nouvelle rubrique passionnante, les potins de Tammy. Oh là là, laisse tomber Tammy, on n'est pas intéressés. Les ragots, on en a rien à faire. Ah, faites-moi confiance, vous allez trouver mon premier article très intéressant. Il paraît que Tony Clark dort avec un ours en peluche. D'après une source anonyme, Megan utilise un shampoing à base de salive de dinosaure. Dernière minute, Marc aime tellement être au premier de la classe qu'il fait ses devoirs un mois à l'avance. Les potins de Tammy, les mensonges plutôt. Je suis d'accord, parce que je ne fais mes devoirs qu'une semaine à l'avance. Pour qui elle se prend à répandre toutes ces rumeurs sur nous? Pas sur nous tous. De quoi tu parles? Le bruit court depuis longtemps que Lee Clark a les plus gros biceps du collège. Non, c'est pas vrai. Je le crois pas, Tammy a craqué pour toi. Non, pas du tout. Elle devait plus avoir de potins à raconter, c'est tout. Ah oui, alors pourquoi elle te regarde avec des yeux de gazelle en manque d'affection?
Sauvé par le gong. Oui, allô? Désolé de vous déranger, mais le détecteur de présence de la prison du Whoop est en alerte rouge. Et en langage normal, ça veut dire quoi? À cause d'une panne informatique, nous ne pouvons pas savoir si tous les détenus sont dans leur cellule. Je vous demande d'aller vérifier et de régler ce problème informatique. Pas de soucis, Jerry, on va régler ça rapidement. Je l'espère. Et surtout, rappelez-vous, quelqu'un vous observe, alors soyez extrêmement prudent. Oui, et si on veut tromper la personne qui nous suit, il est temps de passer au Whoop-looking. Ouais, ben, Jerry a un drôle de sens de l'humour. Moi aussi, je veux me transformer. Oh, j'espère que je vais avoir un super déguisement, genre astronaute ou chirurgien. Ouais, ce sera pour une autre fois. Ok, je sens que je vais devenir clownophobe. Allez, on y va, les enfants. On est arrivé à destination! Ah là, quand on est un espion, on vit parfois des moments difficiles! C'est bon, on est en sécurité ici. Enlevons ces déguisements et vérifions les détenus et réparons cet ordinateur. Vous trouvez quelque chose? Oh oui, une allergie à la poussière à cause de ce conduit d'aération. C'est la troisième fois cette semaine. Eh ben, à la 15e, tu devrais être immunisé. Hey, je crois que j'ai quelque chose qui va nous intéresser. On t'écoute. Spy Z, retrouvez-moi à la salle informatique. Bon, j'ai repéré le système. Et d'après ce que je vois, 10 prisonniers n'étaient pas dans leur cellule au moment de l'inventaire. Ah bon? Mais ils étaient où alors? 5 étaient à l'infirmerie, 3 à la salle de sport et 1 était avec le coiffeur de la prison. Regardez, c'est l'homme à fourrure! Oh, mais c'est dégoûtant! Et le 10e détenu, il était où? J'en sais rien, mais on va savoir qui c'est. C'est Sherry, la sœur de Jerry! Tu veux dire cette espèce de frappadingue qui a essayé de prendre le contrôle du Whoop? On a intérêt à la retrouver très vite! Qui sait quelle vengeance effrayante et maléfique elle est en train de préparer? Ça va pas être si facile, parce qu'en faisant des recherches, j'ai pu découvrir autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Sherry et Jerry ont des empreintes extrêmement proches. À tel point qu'elle a réussi à tromper le système informatique et qu'elle a quitté la prison! Oh non! Mais alors elle peut être n'importe où! Il faut prévenir Jerry immédiatement! C'est quoi ça? Y'a qu'un moyen de le savoir! Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Si cette personne voulait attirer notre attention, elle a réussi! Je veux plus que votre attention, Spy Z! Et vous vous êtes mis au bon endroit, mes agneaux! Oh non! C'est encore ce maudit paparazzi! Allez, vite! Chacun de nous va avaler une de ces capsules d'invisibilité! Génial! C'est un bon déguisement pour Halloween! Pour l'instant, on doit attraper celui qui nous prend en photo, et pour ça, on a besoin d'un plan. Profitons de notre invisibilité pour une approche incognito. Moi, je vous propose la manière Tony! Qui que vous soyez, arrêtez tout de suite! Et voilà, encore une super action Spy Z gâchée par Monsieur Tony. On passe au plan lancer de corde. Je crois qu'on va pas pouvoir faire d'autres essais, regardez. Nos capsules d'invisibilité fonctionnent plus. Oh bah ça fait plus effet. On se cache dans les buissons comme des écureuils apeurés. On doit découvrir qui nous pourchasse comme ça et pourquoi il veut révéler nos identités. Tu crois que ça peut aider? Le gant du paparazzi. Je cherche de l'ADN. Non, je rêve. Quoi? Alors de quoi tu rêves? Ce sont les cellules de Sherry. Il est à elle, ce gant. Tu plaisantes, là? Ça veut dire que c'est elle, notre horrible paparazzi. Venez, il faut aller au Whoop.
C'est une nouvelle très perturbante. Je crains devoir mettre votre mission entre parenthèses pour le moment. Si ça veut dire qu'on n'aura plus de mission, ah ben je suis vraiment dégoûtée. Moi aussi. Et puis d'abord, on peut très bien s'occuper de votre méchante sœur et de ses appareils photos. Vous ne pouvez pas prendre le risque de vous montrer au grand jour. Jusqu'à ce que je retrouve Chérie et que je sache ce qu'elle mijote, vous êtes tous démis de vos fonctions. Oh, je sais pas, mais moi j'arrive pas à croire ce qui se passe. Oh, moi non plus, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux. Je me sens pas prête pour prendre ma retraite d'espion. Allez, c'est pas grave, c'est pas parce qu'on fait une pause pour l'instant que notre carrière d'espion est terminée. Regardez sur internet, j'ai ajouté quelques infos à ma rubrique. Et faites-moi confiance, ce sont des infos croustillantes. Oh, c'est dégoûtant. Fais-moi confiance, c'est moins dégoûtant que ce qu'elle a mis sur le net. Tony Clark porte encore des couches comme les bébés. Megan se brosse les dents avec de l'écorce d'arbre. Le jeu préféré de Mark, c'est de lire le dictionnaire. Lee Clark est le plus beau garçon du collège. On a peut-être plus de méchants à attraper, mais on peut toujours s'occuper de Tammy. Et on va le faire tout de suite. Tu ne pourras pas m'échapper. Même si je dois faire le tour du monde, je finirai par te retrouver, chérie. Coucou, petit frère. Il n'y a pas de coucou qui tienne. Je te somme de me dire sur le champ quel stratagème tu as encore mis au point. C'est simple. Je vais mettre fin à ta carrière et à celle de tes mini-espions pour avoir osé me jeter en prison. Vous allez bientôt faire la une de tous les journaux. Pour l'instant, les enfants ont réussi à échapper à mon objectif. Mais une fois qu'ils verront que tu as disparu, ils tomberont dans mon piège directement. Alors, on fait quoi pour se venger de Tammy? On transforme son sèche-cheveux en aspirateur? Ou on met des fourmis dans son sac de sport? Ouais. On a des soucis plus importants que Tammy pour l'instant. Qui peuvent bien être ces espions mystérieux? J'espère que Jerry retrouvera vite sa sœur. Ses photos sont de plus en plus compromettantes. C'est une alerte rouge de Jerry. Il faut aller l'aider. Mais nos missions sont entre parenthèses pour l'instant, non? La parenthèse est fermée. Il faut trouver Jerry avant qu'il lui arrive quelque chose. C'est parti. Eh ben... c'est vraiment nul d'être un espion entre parenthèses. Oh oui, nul comme ce taxi. D'ailleurs, ça sent la transpiration de Gnou. Voyez le bon côté des choses, au moins on n'a pas pris le bus. Votre tête me dit quelque chose. On ne s'est pas déjà rencontrés? Je crois pas, non? Pourquoi? Il y a très peu de chance. Vous en êtes sûr? Parce que je suis persuadé de vous avoir déjà vu. Eh, attendez une seconde. Je sais que ces photos sont floues, mais ce ne serait pas vous, ça, eux. Eh ben, tant pis. Allez, grand frère, pose comme si ta vie en dépendait. Sûrement pas. Je refuse de continuer à me ridiculiser de cette façon. Bien. Tu as sans doute besoin d'un petit quelque chose pour te motiver un peu. Bon, d'accord, chérie. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Bon, on fait quoi? Une entrée fracassante ou une approche incognito? T'as qu'à choisir, monsieur gros biceps du collège. Gros biceps? Ah, je rigole. Ou pas. Oh non, c'est pas vrai! Encore un conduit d'aération! D'après mes calculs, si on entre par ce conduit d'aération, on arrivera en plein milieu de l'entrepôt. Excellent! Chérie ne va pas comprendre ce qui va lui arriver! Oh! Une alerte SMS! Ça vient de Jerry? Eh non! Ça
ça vient de Tammy. La mère de Tony choisit ses vêtements. Mark a des puces dans les neurones depuis qu'il s'est fait enlever par des aliens. Et Megan fait secrètement les poubelles. Alors là, c'est vraiment hallucinant. C'est n'importe quoi. Maman ne choisit pas tous mes vêtements. Elle choisit seulement mes chaussettes. Mais c'est pas tout, attendez. D'après l'article de Tammy, elle sort enfin officiellement avec lui. De quoi? T'es son chéri, son canard en sucre, sa petite caille, son toto. Trop, c'est trop! Je vais mettre fin tout de suite à ces ragots! Je comprends ce que tu ressens, mais pour le moment, on a un patron à sauver. Conduit numéro 5, j'arrive! Oups! Même les génies peuvent avoir de mauvaises idées de temps en temps. Non? En fait, vous arrivez exactement comme je l'avais prévu. Maintenant, prenez la pose, mes dociles petits Spized. Je vais vous prendre en photo et montrer vos visages au monde entier. Réfléchissez un peu. Vous croyez vraiment qu'on va faire ce que vous nous demandez? Vous le ferez, si vous ne voulez pas terminer comme mon frère. Bon, d'accord, chérie. Je ferai tout ce que tu me demanderas. C'est pathétique, vous ne trouvez pas? C'est vous qui êtes pathétique de croire que vous allez nous piéger. Bon, d'accord, chérie, je ferai tout ce que vous me demanderez. Oh, super! Tony a été zombifié, et on fait quoi maintenant? C'est simple, vous prenez toutes les poses que je vous demande de prendre. Prenez ces faux pistolets laser et posez comme si votre vie en dépendait. Ne vous inquiétez pas, il nous reste encore un gadget à utiliser. Le déflecteur d'énergie tout azimut. Oh, c'est bon ça. On va pousser chérie à utiliser son rayon hypnotiseur et ça va lui revenir en pleine figure. Laissez-moi faire. Finalement non, chérie. J'ai aucune envie d'écouter une espionne de second rang comme vous. Très bien. Bon, alors, je vais vous forcer à le faire. Attention! Maintenant! Bon, d'accord. Je ferai tout ce que vous me demanderez de faire. Ha ha! Bien joué, Mark! Tu devrais essayer de te mettre au basket, toi! Mon sport à moi, ce sont les gadgets. Maintenant, reculez et regardez un peu comme je vise bien. Oh, salut! J'ai raté quelque chose? Vous voilà, Spized. Que se passe-t-il? Il se passe qu'on vient de mettre notre méchant hors d'état de nuire. Avec le coup du laser, je trouve qu'on a été particulièrement brillant. Mais où suis-je? Oh! Ah oui! Je suis avec mes petits Spized. Oups! Je crois que c'est ma faute. Je vous ai moqué. Comme une araignée dans mon café. Bien essayé, grand frère. Mais comme tu le sais, tous tes petits mouvements ridicules ne sont rien comparés à ma maîtrise des arts martiaux. Là, elle a pas tort. Jerry est un petit peu rouillé. Mais nous, on ne l'est pas. Il est temps de se battre et surtout de gagner. Oh, dommage que vous ayez plus votre appareil photo parce que le Mark expert en arts martiaux est très photogénique. Oui, et Ellie a son coup de pied rotatif. Attendez, on peut en discuter peut-être. À quoi ça sert de discuter quand il y a Megan et ses bras hélico? Ou le grand Tony et sa poubelle qui sent le chacal? Tony et sa poubelle qui sent le chacal? Alors, tu comprends maintenant? Laissez-moi sortir. Félicitations, voici une nouvelle mission réussie. Et maintenant, il est temps que tu retournes à la prison de Whoop, petite sœur. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Et si elle s'échappait à nouveau? Non, pas cette fois. Le système a été amélioré et le détecteur d'empreintes est bien plus précis. Attendez, Jerry, on a oublié quelque chose. Peut-il? Une belle photo de chérie. Oui, Skitty. Je sais pas.
pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis super content d'être de nouveau un espion. Oui, moi aussi. Et maintenant que Jerry a publié un démenti dans tous les journaux à propos des espions mystérieux, rien ne peut plus m'atteindre. Ah ouais? Même Tammy et ses articles mensongers? Oh! La rubrique de Lee. Où sont passés les potins de Tammy? Vous avez dit que les ragots, c'était fini. Mark Clark est le plus intelligent du collège, Megan Clark protège la nature, Tony Clark est un véritable séducteur et Tammy est aussi gracieuse qu'un Yeti et à peu près aussi jolie. Surtout après un entraînement. C'est pour ça que j'ai pris cette belle photo avec mon visiocom. Le Yeti maintenant. Non mais vous ne savez plus quoi inventer, bande de moufles. C'est toi la mouche.